et un jeune hockeyeur saguenéen vit son rêve sur les glaces américaines. Je ne savais même pas si j'allais jouer ou pas, puis j'ai joué tous les matchs. Je suis en train de vivre la plus belle expérience de ma vie. Une carrière de hockeyeur peut mener dans différentes directions. Si certains accèdent au hockey junior majeur ou même à la Ligue nationale, bien d'autres athlètes d'ici connaissent un parcours différent. Et c'est notamment le cas de Mike Finger, un Chicoutimien de 22 ans qui vient de remporter un championnat avec son équipe universitaire aux États-Unis. Comment passe-t-on des arénas de Saguenay à un campus du Michigan? Eh bien, Frédéric Tremblay nous présente son histoire. For the first time in program history, the Adrian Bulldogs are champions. Le week-end dernier, les Bulldogs du Adrian College au Michigan ont remporté le championnat national de la ACHA, une ligue universitaire américaine. Parmi les marqueurs, on retrouve Mike Finger, un Saguenayen de 22 ans qui savoure sa première expérience en sport-études chez nos voisins du Sud. Moi, c'était ma première année à étudier en anglais. Et les classes sont plus petites, fait que t'es pris en charge, t'es pas juste un numéro dans une classe, ils savent t'es qui. T'es vraiment supervisé niveau hockey aussi. Tout est relié ensemble, c'est comme une famille. Mike Finger a évolué dans le hockey mineur régional jusqu'au calibre juvénile 3A au niveau scolaire. Après des essais infructueux avec deux équipes juniors majeures, il a joué pendant 2 ans dans des calibres juniors en Ontario. C'est finalement à l'automne 2017 qu'il tente l'aventure des collèges américains. Ça l'a forcé à aimer l'école. Ouais. Puis pour nous, c'est super. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, peu importe qu'il perce au hockey ou pas, qu'il soit professionnel après ou pas, il va finir avec un diplôme universitaire. Par rapport à toutes les difficultés qu'il a eues, c'est par sa passion puis par son vouloir qu'il s'est rendu là. La recrue a terminé parmi les meilleurs pointeurs de son équipe cette saison. Le jeune Chicoutimien poursuit des études en éducation physique et en kinésiologie. Comme il possède la double nationalité canadienne et suisse, il aspire même un jour à évoluer au niveau professionnel. Mon but, c'est de graduer. Puis si on continue à gagner comme ça, je pense qu'on a des chances que j'aurais une chance de pouvoir les jouer pro en Europe. Mike Finger reviendra dans la région à la fin du mois d'avril pour passer l'été chez lui en famille, tout en s'entraînant pour la prochaine saison. Ici Frédéric Tremblay, Radio-Canada, Saguenay.